maintenant. Ça a été une bonne année, on va le voir naturellement tout à l'heure avec tous les récipiendaires, comme on dit, des récompenses. Mais globalement, pour les pilotes français, ça a été satisfaisant, non? Oui, mais c'est une bonne année, hein. C'est pas la meilleure année, mais c'est une bonne année avec de nombreux titres, des titres par équipe, hein. Donc on peut parler par exemple du Supermoto, où nous avons remporté le Supermoto des Nations, l'Enduro, encore une fois. Alors cette année, on n'a pas remporté les Nations en trophée, mais pour la bonne raison, c'est qu'il n'y avait pas d'équipe. Par contre, on envoyait des équipes en junior et en féminine, et puis les filles et les garçons ont remporté les ISDE dans leur discipline. Donc, encore une fois, ça démontre que nos disciplines sont... l'ensemble des disciplines, enfin, nous sommes très éclectiques. Hein. S'il y avait un classement, toutes disciplines confondues, je pense que nous serions, je crois sous le contrôle de M. Mazzi, mais je pense qu'on serait premier ou deuxième avec les Italiens quasiment chaque année. Alors, évidemment, on nous parle souvent de la vitesse, en disant, pourquoi n'êtes-vous pas champion du monde chaque année en vitesse? Bon, je rappelle qu'on est vice-champion du monde. On est vice-champion du monde cette année. On a remporté 3 titres dans la décennie 2000. Bon, il ne faut pas tout voir sur le prisme de la vitesse. Et je rappelle d'ailleurs que la Fédération française de moto est d'abord et avant tout une fédération de crossman. Hein, la majorité des licenciés et des organisations, ce sont des organisations de motocross et non pas de vitesse. C'est important de le rappeler. On peut rappeler le rôle des filières justement mises en place par la Fédération française de moto qui permettent donc de faire justement de déceler et de faire monter au plus haut niveau des pilotes. Ça, c'est quelque chose qu'on avait lancé il y a longtemps avec Jean-Pierre Mougin. Hein. On a en effet mis en place dans toutes les disciplines. On a commencé par la vitesse, puis ensuite le motocross. Et puis avec l'armée, l'enduro, hein, c'est d'ailleurs une collaboration qui perdure, et je salue d'ailleurs les représentants de l'armée qui sont présents, l'armée de terre, oui. C'est ainsi qu'en triage, bien sûr. Donc dans l'ensemble des disciplines de haut niveau, nous avons mis en place une filière il y a maintenant 15 ans pour la plus ancienne, 16 ans exactement, et ça a donné un certain nombre de résultats. Hein. Pour parler de ceux de la vitesse, par exemple, rappelons que Olivier Jacques, par exemple, ou Mac Emilio sont tous les deux passés par la filière, et puis en motocross, je crois que ce serait trop long de tous les citer, hein. Et puis on peut aussi parler de l'enduro, où il y a également de nombreux garçons qui sont passés par le 517e régiment du train avant d'acquérir des titres. On en vient au sport maintenant complètement, en parlant de la vitesse, et notamment en 2011, création de la formule promo découverte, donc qui a très bien marché. Oui, c'est l'une des créations de la saison 2011. On a créé donc une catégorie. L'une des difficultés qu'on en a en vitesse, c'est qu'on n'a pas de championnat régionaux. Il y en a en motocross, il y en a en trial, dans les autres disciplines. En vitesse, ça n'existe pas. Directement, vous arrivez sur des championnats nationaux. Les championnats nationaux sont quelquefois d'un niveau trop élevé. Pour un débutant, ça fait peur. On se dit, on arrive même en promo sport, qui est théoriquement une formule d'initiation. Lorsque vous voyez les garçons qui vont en promo sport, ça, quelquefois, c'est vrai que c'est impressionnant. Donc, bien souvent, les garçons ou les filles, d'ailleurs, ne voulaient pas, avaient peur de débuter en promo sport, parce que le niveau leur semblait trop élevé. Donc, on a mis en place cette formule de découverte, qui est réservée vraiment à des gens qui débutent réellement. Et ça a eu un franc succès cette saison. Donc effectivement, il y a deux cycles d'épreuves, hein, que vous pouvez mentionner, le promo sport qui en parlait, pré-GP et trophée de France vitesse, moins de 25 chevaux. En MX maintenant, championnat de France élite, donc format de course 2011, modifié de manière à avoir une capacité de pilote. Pas modifié, on reste sur le même schéma, parce que c'est un nouveau schéma donc, qui avait été mis en place en 2011, avec notamment une saison concentrée sur le début d'année, hein, ça s'arrête au mois de mai, donc ça on le conserve. On conserve également le schéma des courses qui se déroulent uniquement le dimanche. Par contre, on va l'ouvrir à plus de pilotes, hein, et donc aujourd'hui, parce que c'est l'un des problèmes qu'on a eu, c'est qu'on a eu beaucoup plus de demandes que de places disponibles sur la grille, donc on va l'ouvrir à plus de pilotes dès l'année prochaine. Donc en fait, on améliore le schéma qui a été mis en place cette année. D'accord. Et l'autre nouveauté, donc 2012, c'est permettre aux pilotes attirés par le loisir sportif de rouler le samedi. Hein, oui, c'est ça. Comme le samedi, donc il n'y a pas le championnat élite ne se déroulera pas le samedi, ouais. On ouvre la piste pour d'autres garçons le samedi. Au niveau de l'aide financière qui est accordée aux clubs organisateurs en 2012, il faut le rappeler, les clubs reçoivent de l'argent de la fédération. Oui, mais ça je l'ai déjà dit dans les précédentes conférences de presse. En effet, l'un de mes axes majeurs de cette mandature, c'était d'aider les clubs à organiser. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est pas de participer. C'est toujours difficile de participer, de trouver les budgets, etc. Mais il faut savoir que les gens qui concourent pour réussir, pour avoir une carrière. Lorsque vous organisez une épreuve de championnat de ligue de motocross, par exemple, vous le faites pour les autres, hein, vous ne le faites pas pour vous. Parce qu'il n'y a pas de championnat du monde des organisateurs. Pas encore. Et donc, quand vous êtes bénévole et vous organisez une manifestation et que déjà vous allez y passer des heures et des journées, vous prenez des risques.
Hein, parce qu'il y a une notion de responsabilité aujourd'hui qui est de plus en plus existante. On en parlera, et on en parlera tout à l'heure. Si en plus il y a un problème financier à la fin, vous n'arrivez pas à équilibrer et quelquefois vous êtes obligé sur vos deniers propres de combler le trou, moi je trouve ça personnellement tout à fait inadmissible. Donc on a décidé d'aider au maximum les clubs et en effet, alors que précédemment les clubs payaient, c'était d'ailleurs pour moi c'était tout à fait payé pour organiser. Donc là on a inversé. C'est fait surprenant que la première chose qu'on demandait à un club pour organiser une petite épreuve, hein, je ne parle pas du Grand Prix de France de vitesse, mais je parle d'une petite épreuve, et eh bien la première chose qu'on leur demandait c'est de payer quelque chose, c'est de payer des droits à la fédération. Maintenant non seulement ils ne payent plus de droits, mais on les aide, on leur donne une subvention en effet. L'aspect juridique de notre sport est de plus en plus important pour diverses raisons. Le service juridique de la fédération c'était zéro juriste en 95, aujourd'hui c'est 5 juristes. Alors, on touche tous les droits, hein, évidemment le droit de l'environnement, on a tous les droits qui sont qui impactent aujourd'hui l'activité fédérale, et les clubs, devant un préfet qui leur envoie un courrier avec toute série de textes légaux, ils sont perdus. Et donc, on a aujourd'hui un service juridique qui est là pour les aider, et lorsqu'on considère que les clubs sont injustement attaqués, lorsque régulièrement des préfets refusent d'homologuer ou interdisent des épreuves, eh bien on n'hésite pas à monter au créneau, et s'il le faut, on n'hésite pas à attaquer la décision du préfet. Et à gagner en général. D'ailleurs, je disais, on n'a pas gagné toutes nos procédures, mais quasiment. Je crois qu'on a dû gagner 90% des procédures qu'on a engagées contre l'administration. Et donc, récemment, il y a l'affaire du Supercross de Montbéliard, où là, le préfet avait considéré que l'épreuve ne devait pas avoir lieu parce qu'il y avait des risques, c'est le principe de précaution, hein. Il y avait éventuellement un risque en matière de salubrité, en termes de gaz d'échappement, et donc il a interdit simplement l'épreuve, alors qu'on était en mesure de démontrer qu'en fait, il n'y avait pas de risque. Bon, donc on a attaqué la décision, et le préfet a été désavoué, hein, puisque le juge administratif a annulé sa décision, ce qui nous donne la possibilité aujourd'hui de réclamer des dommages et intérêts à l'État. Ben, ce qui est quand même paradoxal, parce que le préfet, je rappelle, c'est le représentant de l'État, quand même, en région. Mais ce qui est paradoxal, c'est de se retrouver avec un préfet d'un côté qui, évidemment, représente l'État, une fédération qui représente aussi l'État. Bien sûr. À s'attaquer, on est obligé de s'attaquer entre nous, en fait, et in fine, on peut dire que c'est le citoyen français qui payera à la fin. Tant mieux quand c'est le sport qui gagne. Pour les motards, particulièrement dans les grandes villes, les fameuses remontées de fil. Aujourd'hui, il semblerait que le gouvernement souhaite clarifier la situation, on va dire garantir aux motards une certaine sécurité juridique en la matière, c'est une bonne chose, c'est déjà fait dans d'autres pays, et bien il faut, à mon avis, qu'on y aille. D'accord. Donc, alors, le préfet des Vaches, le directeur de la DSCR, nous a indiqué qu'il faudrait que, en contrepartie, les motards acceptent de porter des vêtements plus voyants. Donc alors, on va négocier ça. La négociation. Il y a eu le problème des gilets, il nous a garanti que ce n'était pas question de gilets, mais par contre, si on avait des blousons avec des bandes réfléchissantes, et bien ça pourrait convenir. Donc, après. On va se chamailler sans doute sur la grosseur des bandes ou la longueur des bandes. Enfin bon, pour l'instant on n'en est pas là, mais en tout cas ils sont, semble-t-il, ouverts à la discussion.